une délégation du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, a rencontré Seloud Alain Diallo, ce mercredi 29 décembre 2021. La rencontre s'est tenue au domicile du président de l'UFD, à Dixine. Elle s'inscrit dans le cadre des discussions que la junte militaire au pouvoir vient d'engager avec les acteurs de la classe politique guinéenne en vue d'une transition inclusive et apaisée. Le CNRD semble avoir entendu l'appel des différentes coalitions politiques du pays qui lui ont adressé un mémorandum sollicitant la mise en place d'un cadre formel de dialogue sur la conduite de la transition. La junte militaire qui a renversé le président Alpha Condé et qui dirige actuellement la Guinée a dépêché une délégation pour discuter d'abord individuellement avec les acteurs politiques. Hier, cette délégation a rencontré Mamadou Sylla, le président de l'UDE. Et ce mercredi 29 décembre, les émissaires du Comité national du Rassemblement pour le Développement se sont rendus au domicile de Seloud Alain Diallo pour échanger avec le président de l'UFD. Ils vont poursuivre ces rencontres avec d'autres acteurs de la classe politique avant la mise en place d'un cadre formel de dialogue qui pourrait intervenir en janvier. Environ 4 mois après la prise du pouvoir par le CNRD, plusieurs questions majeures restent encore en suspens. Il s'agit notamment de la durée de la transition.